on voit que l'addiction au travail, c'est une addiction vraiment à l'action qui consiste toujours à en faire plus et qui donne à celui qui en est le pied, en fait, ou l'acteur, un sentiment de toute puissance. Alors, évidemment, l'activité elle-même, dans le contexte du travail, les incitations managériales, la pression sur le résultat, et puis on pourrait même aller jusqu'à dire la culture globale, économique, hein, évidemment, exploite volontiers cette compétence et exacerbe cette tendance personnelle quand elle se met en action. Alors, la principale tentative de solution dysfonctionnelle à une difficulté personnelle, on pourrait dire que c'est vraiment un moyen de contrôler ou un moyen d'éviter une réaction émotionnelle ou relationnelle désagréable, mais ce sont des moyens qui fonctionnent excellemment bien. Et donc, il y a assez peu de raisons de les abandonner en chemin, puisqu'on est plutôt récompensé au début, en tout cas, de ces bonnes performances. Alors, on a vu, hein, sous différents angles que la tentative de solution principale derrière, donc les sensations de base, sont peut-être liées à une peur, hein, peur de ne pas être à la hauteur, peur de décevoir, et à ce moment-là, on se rend compte qu'en travaillant beaucoup, bah, finalement, on neutralise, hein, cette peur, ou peut être aussi, tout simplement, sans être une peur au départ, être le plaisir d'avoir découvert un plaisir très tôt d'être performant, d'être héroïque, et qu'on a envie toujours de développer et d'exploiter cette sensation. Alors, ce petit rappel, en fait, permet de faire un petit focus sur ce qui se passe au niveau de l'entourage. En fait, l'entourage est souvent tiraillé par le constat des conséquences dommageables pour la santé, hein, de voir quelqu'un qui est entraîné vers une course infernale sur en faire trop. Et puis, dans un contexte de travail, les bénéfices secondaires d'un excès de zèle, notamment l'entreprise peut vraiment trouver que quelqu'un qui travaille beaucoup, c'est aussi un avantage pour elle. Mais il se trouve que l'entourage est vraiment démuni face à un comportement de work-alcoolique s'il perdure, en fait. Donc, les premières différentes tentatives de solutions que l'entourage professionnel peut avoir, bon, à la première étape, ça peut être d'ignorer le problème, tout simplement, au début. Ne pas en tenir compte, les premiers signaux inquiétants, éviter d'en parler, éviter une réaction négative, voilà, ne pas casser trop la machine qui a l'air de marcher. Après tout, il fait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, et ça, personnellement, il garde pas. Alors, on peut prendre sur soi si le comportement de cette personne commence à être vraiment un peu énervant ou gênant, mais on va prendre sur soi, ne rien dire, la loi du silence auprès de la personne concernée, on va essayer de minimiser les choses. Mais ça n'empêche pas que l'entourage peut se plaindre malgré tout et en parler, tout le monde peut en parler dans son dos, et ça devient une problématique, voilà, qui est un peu socialisée. Mais quand on commence vraiment à traiter le sujet, on va dire, alors l'entourage va plutôt commencer par faire entendre raison, va essayer de chercher à convaincre qu'il en fasse ou qu'elle en fasse moins, avec un message implicite derrière, c'est bah, tu ne penses pas comme il faut ou tu ne penses pas comme il le faut. Et en poussant cette logique, hein, d'essayer de convaincre l'autre, on va même vouloir le protéger malgré lui, malgré elle, et d'aller jusqu'à le contraindre à vraiment en faire moins. Donc, en l'obligeant à rentrer plus tôt le soir, à l'obliger de faire un arrêt de travail parce qu'on considère qu'il est trop fatigué. Et cette espèce de contrainte, comme ce sont des obstacles, hein, et qu'on commence à essayer de réfréner le plaisir, généralement, ça a un effet évidemment de redoubler la tentation de transgresser finalement cette contrainte. Avec le message implicite de cette contrainte, c'est que tu es incapable de poser une limite toi-même. Heureusement, je suis là pour le faire. Alors, c'est ce qu'avait introduit tout à l'heure Claude en amont dans la première partie, c'est qu'on voit que là, on a essayé de contrôler, soit d'éviter les sensations de base, et ce qui se passe, c'est que la personne qui est prise dans ce mouvement, bah, chaque succès de son excès d'action, en fait, va venir alimenter une croyance. Et cette croyance va être très très forte et elle va être assez simple.
c'est que elle trouve que je fais, enfin, en tout cas, elle va se dire, je fais ce qu'il faut faire. Et ce qu'elle va vivre en termes de sensations, c'est qu'elle fait ce qu'il faut faire, et elle va recevoir le message de toutes parts qui va leur dire, fais-en moins. Donc, elle va avoir du mal à intégrer ce message.